Salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Bon réveil dans les bénédictions divines. Rappelez-vous que la seule bonne manière pour éviter les pièges du diable, les pièges des sorciers diaboliques ne soyez pas seulement concentrés sur votre dieu extérieur je parle de ce dieu-là dont on parle dans la bible et du coran trouvez aussi du temps pour le dieu qui est à l'intérieur de vous parce que ce dieu est un grand langage un langage qui vous incite à la découverte de l'or à la découverte de votre bien de votre diamant Un monsieur m'a posé la question. Vous savez que, bon, je ne réponds pas tellement aux commentaires parce que je n'ai pas l'habitude de répondre aux commentaires. Mais je crois que celui-ci-là, vu que j'ai déjà développé un thème là-dessus, j'ai profité en même temps d'expliquer encore davantage pour que les gens comprennent l'importance de miser sur soi. Et quand on dit miser sur soi, vous devez être capable d'abandonner, hein, d'abandonner votre richesse quelque part, de couper une relation importante, de ne plus adresser la, la, la parole à quelqu'un, tout simplement parce que vous voulez commencer à découvrir le nombre de poils qui sont sur vous, vos cicatrices, vos plaies, votre corps. Vous voulez sculpter tout votre corps de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voulez vous connaître. Vous voulez comprendre bien vos, vos faiblesses, vos forces, votre santé. Vous voulez vous découvrir tellement que vous avez abandonné tout le monde. C'est ça un bon comportement de quelqu'un d'intelligent qui veut réussir sa vie. Mais malheureusement, les gens coupent les relations pour de mauvaises raisons. Et ces mauvaises raisons reviennent toujours, toujours et toujours dans vos vies. Soyez seul parce que vous voulez vous découvrir. Là, c'est bon. Mais être seul parce que vous voulez mieux manger, mieux trouver de l'argent, mieux parler des autres, mieux réfléchir sur celui-ci. Oh, je dis, il s'est coiffé. Oh, je dis, la chaîne de pagne. Je dis, ça ne vous regarde pas. Occupez-vous de vos casseroles. C'est très important pour être heureux. Vous comprenez? Ok, il s'agit de quoi? Ce monsieur qui m'a posé la question sur TikTok a demandé à savoir que. Lui-là a gagné à la loterie il y a de cela, quelques années. Et je vais me lever un peu. J'ai envie de marcher. Quand j'ai fait une longue méditation pour dégourdir les jambes. Quoi. Donc le monsieur disait qu'il a fait... Il a remarqué qu'il a gagné à la loterie en 2012, vers décembre 2012. Depuis ce jusqu jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a plus jamais gagné à la loterie. Et il voulait que je lui donne des explications sur la chance. Comment avoir une chance extraordinaire. Vous voyez, il y a plusieurs protocoles. Même qui pilulent même partout sur la chance. Mais vous devez savoir que quand on dit chance, c'est la capacité d'éviter la mort. C'est la capacité d'avoir ce que normalement, au lieu de faire 7 ans, pour avoir une pierre précieuse, un caillou, ou ramasser une clé, symbole de chance, ou une chance vraiment qui ouvre une porte dont vous souriez, la plupart ont besoin de faire sept ans avant de l'avoir par expérience sur expérience. Mais vous, vous allez l'avoir tout de suite. C'est ce qu'on appelle la chance. Imaginez, il a gagné la loterie depuis 2012 et il n'a plus jamais gagné. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde ne gagne pas. Peut-être quelqu'un ne fait que gagner chaque mois ou chaque semaine. Ou peut-être quelqu'un n'a jamais joué à la loterie, mais est toujours heureux, toujours chanceux, qui vit, qui partage ses connaissances, qui aide ses, ses frères et ses petits frères à avancer. Donc la question est, est-ce que vous êtes au volant de votre vie spirituelle? Est-ce que vous êtes au volant de votre destin? Est-ce que vous êtes le maître de votre destin? Est-ce que vous êtes en harmonie avec ce qui circule en vous? Est-ce que vous savez qui vous êtes réellement? Tant que vous ne vous connaissez pas, vous allez faire des choix dans lesquels vous allez toujours vous questionner, vous allez toujours regretter, vous allez toujours vous poser des questions. Mais quand vous finissez par dire oui, Vraiment, mes pensées, ça se réalise. Mes rêves se réalisent. Je vais commencer à écouter mes rêves. Mais il ne, ne, ne faut pas seulement écouter vos rêves. Il ne faut pas seulement écouter vos pensées. Travaillez à ce que vous ne soyez plus quelqu'un là qui s'occupe des choses inutiles. Des choses dont vous savez que la loi silencieuse dit de ne pas le faire. Mais vous, vous allez vous asseoir, nettoyer bien le tabouret, s'asseoir et parler des autres. Vous voulez connaître les, les, les autres. Voilà pourquoi vous êtes toujours comme un dépotoir. Parce que rien ne peut fleurir chez vous. La chance existe. Elle existe parce que vous êtes vivant. C'est déjà la chance. Mais le plus important est de savoir que le bon protocole pour gagner à la loterie, puisqu'il a mis l'accent sur la loterie, pour gagner à la loterie, d'abord, vous devez vous assurer que les malédictions de la famille ne vous, ne vous suivent pas. Vous devez vous assurer que vous n'avez jamais tué un être humain consciemment et inconsciemment, hein? vous devez vous assurer que quand il fait jour, vous marchez selon votre étoile, votre destinée. Vous devez vous assurer que les prières que vous faites correspondent à votre étoile, ce qu'on appelle étude de la destinée, c'est-à-dire les choses qui correspondent à qui vous êtes réellement. Et ensuite, vous avez besoin D'être pur. La vraie pureté, c'est celle-là qui vient de votre aura. Ce n'est pas des talismans dans les caleçons. Non, 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 les bagues, les colliers. Non. La vraie pureté, c'est votre aura. Alors que chaque pensée, chaque idée, reforme votre aura, votre lumière. Toutes ces chances-là, c'est pour que vous soyez vivant. Pour profiter de la pâte et avoir un cerveau ouvert à améliorer la vie mais vous voulez tout de suite que votre destin alors que nous connaissons, nous connaissons le destin de graines de maïs <coughs> mmh? graines de maïs et destin du fer qu'on extrait dans une montagne ils n'ont pas de rôle dans la société alors que vous vous dites que moi, je suis mille, je suis le maïs, mais je vais tout de suite devenir le fer ou l'éléphant. Mais il faut un protocole. Et si vous voulez être aussi chanceux et très rare, il faut un rituel de haut niveau. Et ce rituel de haut niveau, si vous piétinez les lois qu'il ne fallait pas piétiner, vous allez le regretter. Parce qu'il y a des gens qui font des rituels dans les cimetières, ils s'en vont ouvrir les crânes des autres, tout ça là. Ça, c'est très dangereux. Vous allez avoir la chance, mais vous allez le regretter. <laughs> Maintenant, vous avez besoin de travailler sur votre véritable chance, qui est l'esprit, l'âme et le corps. Quand vous avez blindé tous les contours de la chance normale, vous avez besoin maintenant d'être intelligent. Soyez intelligent, je vous explique. Vous croyez que. Mettre en place une machine qui frappe les boules, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et que ça, ça, ça sort 5 boules ou 7 boules, ça dépend de chaque pays. Puisque le gars, comme il est au Bénin, ça dépend de chaque pays. Vous croyez que c'est un hasard que les boules la sortent Non, ce pas un hasard. Si c'est un hasard, alors là, le courant n'allait pas alimenter ce qui tourne et qui frappe les boules. Ça montre que ça a été calculé au millimètre près par des gens que nous nous appelons des super cerveau. Si vous n'avez pas un super cerveau, ne jouez pas la loterie. Parce qu'on peut ne pas être spirituel ni chanceux, mais s'asseoir calculer comme un super cerveau pour gagner. Parce qu'il est impossible de gagner au hasard. Ce n'est pas possible. Ce hasard n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on a dit le mot hasard que ça existe. Non. C'est pour vous dire que c'est comme vous dire le vent n'existe pas. Vous ne le voyez pas, mais vous le respirez. Vous n'allez jamais l'attraper. Le hasard est comme ça. Il ne faut pas croire au hasard pour perdre votre argent. Vous allez passer toute votre vie à vider toutes vos poches. Alors que vos petits frères sont venus déjà vous dépasser. Ils ont eu leur vélo. Vous êtes encore à pied. Ils ont eu leur moto. Ils êtes toujours à pied. Ils ont fait un effort pour se marier. Vous êtes toujours là. Vous voulez gagner 15 millions avant de vous marier. Ça, c'est la folie. C'est de vider votre argent. Alors que les autres, les autres réussissent autour de vous. Si vous voulez gagner, respectez ce protocole. Soyez super intelligent. Et super intelligent veut dire... Vous êtes né une journée précise. Vous devez découvrir les, les numéros qui correspondent à votre étoile. C'est avec ces numéros-là que vous allez maintenant faire des prières, des rituels. Et avant d'aller jouer, il faut envoûter là où vous allez pour jouer, les lieux. Et oui, c'est comme ça. Il faut que votre énergie oblige les énergies de là à vous respecter. J'espère que monsieur, vous comprenez maintenant. C'est comme ça. Mais moi, je ne conseille jamais à quelqu'un de perdre son temps dans la loterie. Mais si vous êtes dé, dé, déterminé. Vous voulez vraiment réussir, respecter ces protocoles-là. Après, sur vous, vous devez envoûter euh, la, la, la loterie. Ceux qui jouent la loterie, c'est-à-dire les de la loterie, là. vous devez les envoûter. Vous devez envoûter le sommet de la pyramide. Et c'est comme ça, quand ils vont faire, votre chance va s'accompagner avec celui qui va appuyer le bouton pour que les boules tournent et ça frappe et ça sort. C'est comme ça. C'est comme ça, chacun va oh, réorienter et encadrer sa chance et récupérer ce qu'il veut. Mais c'est une perte de temps parce que, puisque c'est pas un hasard, ça a été programmé par un super cerveau. Parce qu'ils réfléchissent plus que les scientifiques. Voilà, Africains, maintenant, nous, on est là, manger, 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 manger. Et vous voulez gagner la loterie, non? L'argent, la, là, ça peut vous faire quelque chose. Laissez tomber ou mettez-vous au travail pour être un super cerveau. Rappelez-vous de ce que c'est que la chance. Rappelez-vous de ce que c'est que la chance. C'est très important. Les gens négligent trop ce qu'on appelait vraiment chance. La chance n'a rien à voir avec l'argent. Vous ne le savez pas. De cela, je vous souhaite bon samedi. Que les bénédictions divines vous accompagnent. À mon